Ça va? Tu m'as pas l'air bien en forme. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Je pense qu'on peut aller boire un coup. Tu viens? Le rhum, c'est le petit plaisir de la vie. Ce soir, je bois. Demain, je vais faire quelque chose de mal. J'ai accepté d'accueillir un citadin. Il est comédien, le pauvre type. Il veut venir se mettre au vert. Moi, j'habite au milieu de la campagne. Il veut se ressourcer. Du coup, je lui offre ce qu'il veut. La nature. Se faire du blé sur le dos de la nature, c'est pas très bien. Alors je bois. Le type qui vient de la ville, il vient chez moi. Et moi, je le fais payer pour ça. Je trouve que c'est pas honnête. Mais bon, nos temps. La vie c'est dur. Le rhum et le tabac, c'est pas gratuit. Et je me fais du blé avec ça, j'ai du mal. Du coup, je bois. La soirée va être longue. Je suis pas sûr de pouvoir dormir. Alors moi, ce que je fais, c'est que je bois. Comme ça, je peux oublier que je suis un connard.
Monsieur, bonjour. Je suis l'homme de l'annonce. Salut. Antoine. Je m'appelle Antoine. André. Ah, je suis ravi d'être ici, André. Ah oui, j'ai trouvé le chalet au milieu de toute cette jungle. C'est chouette, hein? Ah oui, super chouette. C'est donc ici que vous vivez? Ouais. D'ailleurs, en arrivant, j'ai vu deux petites bestioles. C'est du bois, ça. Et les barrières, là, ça va quoi? Les barrières? Oui. Pour les vaches. Mais il n'y a pas de vaches ici, non? Je n'en ai pas vu. Où sont-elles les vaches? Elles sont de l'autre côté, dans le pâturage. Ah, donc en fait vous mettez des barrières pour ne pas que les vaches viennent empiéter sur votre pelouse? Ouais, sur ma pelouse. D'accord. Et on peut visiter peut-être petit coup dedans? Ma foi. Enfin, je dis ça, j'ai des... je peux crotter mes chaussures. Je viens pour la chambre, j'ai réservé. Bonjour. Bonjour. Bah, je viens pour la chambre, j'ai réservé. Je suis un peu en retard, mais... Très bien. Tu lui montres, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. What lady? Oh, fais gaffe quand même. C'est dangereux ça, t'es pas dans un film là. Ouais, tranquille hein. Tranquille. Ouais, bah fais gaffe. J'arrive. Ah tiens, André, vous tombez bien. Dites-moi, vous auriez pas quelques affaires à me prêter là? Parce que, regardez-moi. Ah pas là, non? Quelque chose de plus... adéquat. Salut Francis. Ouais, tu m'entends? Je t'entends, ouais. Ouais, je viens de voir ton truc, là, pas mal. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Ouais, je te disais, je viens de voir ton truc, là. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est un peu mou, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est mou, parce que là, pour le moment, y a pas grand-chose, hein, on s'ennuie, enfin... Personnellement, moi, je me suis fait chier, donc les gens, je pense que ça va être la même.
Ah non, mais faut que tu trouves une intrigue là. Okay. Ouais, ouais, mais qu'est-ce qui te pousse à le faire, ce film là? Il y a bien quelque chose qui te pousse à faire ce film. T'as bien quelque chose à dire. Et puis tu peux pas laisser les gens dans le flou comme tu le fais là, parce que sinon t'es un peu tout seul dans ton délire. On sait pas où on va là. Non, c'est plat, c'est nul, on est paumé, c'est nul. Bon, écoute, Francis, tu te reprends, ok, tu me trouves du concret, une intrigue, de la beauté, et moi je te le produis ton film. Ouais, je te fais confiance. Et faut que ça plaise, hein. Ouais, bisous mon poulet. Salut! Belle journée, là! Sublime, même. Sublime. J'adore ce mot, tiens, sublime. Ah, il me fait un truc, quoi. Un truc au cœur, quoi. Je suis le nouveau voisin. Non, mais parce qu'on se dit pas assez les choses. Après tout, j'ai l'impression que personne se dit les choses. Et c'est important de se dire les choses. C'est important. Enfin, c'est nouveau voisin. Je l'ai pas dit là. Je suis un mec rigolo, ouais, je sais, ouais, on me le dit souvent. Sans m'envoyer des fleurs, je suis quand même quelqu'un d'assez marrant. Hein, encore Gaspard hier me dit, tu sais Antoine, t'es marrant quoi, hein. Écoute, c'est mon métier après tout. Je suis acteur moi. Acteur, je peux faire des James Bond, je peux faire un acteur. Donc forcément, ce côté-là, j'ai un peu folie. Non, je suis venu pour du beurre. Un peu plus sérieusement, je suis venu pour du beurre. Et pas pour du beurre, je suis venu pour du beurre. On m'a dit que c'était le meilleur ici. Ah, on m'a dit une chose, on m'a dit ici c'est le meilleur beurre et le meilleur fromage que tu peux. André, cueilleur de champignons, en vrai. Enfin bref, il m'héberge là pendant quelques temps. Vous voyez, ça me permet de souffler quoi, c'est un métier difficile. Hein. Et André me dit, il nous faut du beurre, du fromage, du produit du terroir, quoi. Je te fais découvrir ça avant que tu repartes à la ville. Je dis ok. Ok, allons-y. C'est pour ça que je suis là. Parce que vous avez le meilleur beurre et le meilleur fromage. En tout cas, j'adore ce décor. Oh, la déco est sublime. Oh, c'est chouette. Ah non, c'est chouette. Alors la ville, croyez-moi, c'est différent. Ah, c'est bien différent. Les voitures qui klaxonnent, les bouchons, même les gens, ça piaille. Bon, ici aussi, hein, c'est les oiseaux. Et des fois, j'ai l'impression de mieux comprendre les oiseaux, d'ailleurs. C'est assez étrange. Enfin, tout ça pour dire qu'en ville, les gens parlent sans cesse, quoi, sans s'arrêter. Hein. Ah ouais, c'est... Alors, on entend sans vraiment entendre l'oreille, quoi. Supplice. Un supplice. Voilà notre bémol, supplice. J'aime bien aussi. Ah oui, il n'y a pas non plus de mode pour. Ah bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Bien. Je suis venu prendre une petite formule kebab, salade tomate oignon, un petit peu de sauce blanche, sauce algérienne, barquette de frites, allez. Merci pour la boisson, j'ai ce qu'il faut. Non, c'était pour du beurre, je suis bon pour
pour l'Uber, quoi. Bah, très bien. Allez, suivez-moi. Eh hey, merci l'ami hein. À bientôt. André. 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 C'est une blague ou quoi? André. Dédé, c'est moi. C'est Antoine. André. Ah, André. André. Voilà. Ok. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est pas mal non plus, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de belles images à la montagne. Il y a de l'idée. Bon, c'est un peu long, hein, tu te sais bien, je te l'avais déjà dit. Mais moi, il y a un truc qui me gêne un peu, tu vois. Il y a un truc que je comprends pas sur la fin, là. Le mec qui accueille le comédien, André, il est passé où? Bah, on sait pas. C'est pour ça que le comédien le cherche. Et en le cherchant, il trouve autre chose. Il trouve son chemin. Il trouve la ville. Oui, mais nous, en tant que spectateurs, on a besoin de comprendre, de savoir ce qu'il est devenu. Il est mort. Oui, mais ça, nous, on ne le sait pas. Et en plus, on comprend pas clairement que le comédien le cherche. Ouais, t'as raison. Non, j'avais imaginé une autre fin, mais... Mais à la place du comédien, imagine tomber sous le cadavre d'André. C'est traumatisant, non? Comment ça? Bah, tomber sur un cadavre, c'est chaud, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais pourquoi André doit forcément mourir? Parce que je l'ai tué. Oui, mais c'est ton personnage, t'en fais ce que tu veux. Je veux dire, tu fais un film à la montagne, là, il peut très bien être coincé dans une lésine, et Antoine vient l'aider. Ou alors il se fait kidnapper et tu finis sur une scène de bagarre. Ou de manière plus légère, Antoine lui fait une bonne farce pour qu'il retourne habiter en ville. Enfin, il y a 1000 façons de finir. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais là, c'est pas possible parce que je l'ai tué, je peux plus rien faire avec André. Oui, mais c'est du cinéma, tu peux changer la fin. C'est de la fiction. Oui, mais pas avec André, il est mort. Écoute, redescends un peu sur terre, là, on tchatche les deux, tranquille, ok? Donc, tu redescends, on peut changer cette fin.
Non, mais tu comprends pas, en fait. Non, mais c'est toi, tu joues le réalisateur là qui est pris dans son film, tu fais plus la différence entre la réalité et la fiction. On peut changer la fin. Mais non, mais je l'ai tué pour de vrai, en fait. Tu voulais une intrigue, moi je t'ai cherché une intrigue et... je l'ai tué, quoi. Je l'ai kidnappé, tu comprends? En fait, j'ai kidnappé André pour que le comédien le cherche. Oui. Et en le kidnappant, ben André, il se débattait, il voulait repartir. Donc, Mais t'as tué André. Ouais. T'as tué l'acteur. Ouais. Non mais t'es malade, mec, tu déconnes. Oui, ben j'ai pas fait exprès. Ben, j'imagine bien, j'espère bien. Après, j'ai filmé.